Alors, il est fondamental, il me semble, que chaque personne soit informée, soit au courant des enjeux écologiques, parce que ça va nous permettre non seulement de savoir comment agir dans sa vie quotidienne, en termes de voilà, comment avoir une mobilité décarbonée, comment avoir une alimentation plus durable, comment sortir de la surconsommation, voilà, des choses très pratico-pratiques, mais c'est aussi important pour agir à une échelle plus collective. Parce que c'est en étant correctement informé qu'après on va pouvoir aussi soi-même initier des projets, qu'on va pouvoir aussi choisir les entreprises dans lesquelles on souhaite travailler, qu'on va pouvoir aussi potentiellement analyser des programmes politiques par rapport à ces enjeux-là. Donc vraiment à tous les niveaux, que ce soit au niveau individuel ou au niveau collectif, c'est fondamental d'être informé et de s'engager. Je vais m'en référer au GIEC, donc le groupement d'experts sur l'évolution du climat, qui nous dit que oui, on peut encore agir sur le volet climat, mais que en gros, c'est maintenant et c'est le plus massivement possible. Donc voilà, d'un côté, sur le papier, c'est possible, mais après, il faut vraiment que le problème soit pris à bras le corps à tous les niveaux, et là, j'ai quelques doutes. Alors, on peut faire énormément de choses à titre individuel. Ça peut être de se passer peut-être d'une voiture, si on en possède deux dans son foyer, et à la place d'une voiture, d'opter pour un vélo, peut-être un vélo électrique, de repenser son alimentation, et donc de consommer des produits moins carnés. Ça peut être aussi de moins consommer et aller vers des produits d'occasion. De baisser aussi son chauffage l'hiver. En fait, il y a énormément d'actions qu'on peut faire, plus ou moins simples et plus ou moins faisables selon les situations de chacun. Il faut aussi garder en tête que tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, certes, ça va avoir un impact sur la planète, mais ça peut aussi avoir un impact immédiat sur notre santé.